C'est qui? C'est le Booba Box qui a parlé tout à l'heure. Voilà. Et puis même la question dont tu as posé. Ah, mais moi, je ne savais pas. Attends, moi, Maqueta. Moi, Maqueta, si tu peux monter, tu montes, tu as fait descendre, tu as resté à Booba là. Voilà. Ok, coupez votre micro, s'il vous plaît. Coupez votre micro, Booba, il va parler. Je le mets en grand là. Ok, elle dit que tu l'as insulté. Voilà, qu'elle m'amène des preuves, quoi. Parce que c'est pas que elle est. Moi, je fais mes vidéos, je n'insulte pas. Hein. Voilà, quand tu fais un truc, okay, je parle. Je vais vous faire descendre, famille. Voilà. Je vous reprends. Maman Maqueta est là, on va parler tranquillement. Parce que je veux pas que quelqu'un. Voilà, parce que quand on dit que oui, Booba a insulté. Non, elle est là. Oui, Booba procède. Elle est là. Voilà. Non, t'es une valeur, Jigila. Mena preuve, Chidron. Voilà. Non, mais preuve, tu maman. Parce que. Mais preuve ci parce que bigini fa diamanta kala makwa. Mais preuve ci pour que ka famia parce que nene na kalunka. Non, moi je comprends pas ça. Faut parler. En fait, l'autre là Aya. Ah, ah. Maqueta est là. Il fait même be jigi jona. Voilà. Je suis là Aya. On m'a dit parce que aujourd'hui on m'a envoyé sa vidéo dont elle a dit que oui, moi j'ai insulté ses parents. Donc voilà, les restes là, je ne vais pas parler ça, mais je l'ai répondu. Mais c'est pour dire tout simplement que moi, ce n'est pas que Maqueta. Moi, j'ai fait mes vidéos depuis il y a longtemps, depuis 2017, moi j'ai fait des vidéos. Donc je n'insulte pas. Je ne suis pas du genre quelqu'un qui insulte les parents déjà ou le truc là. Pas que Maqueta, mais moi-même, mon éducation ne me permet pas d'insulter. Vous avez compris, mais j'ai parlé des faits, des faits. Des faits réels. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dire que Booba a insulté mes parents, ça, je sais que c'est un mensonge. Un, deuxièmement, la question dont vous êtes en train de parler, dire qu'à fois, oui, c'est Bingui qui a fait sortir les conversations entre elle et Maqueta, en âme et en conscience. Maqueta sait très, 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 très bien. C'est pas Bingui qui a fait sortir les conversations qui entre elle et Bingui. Bingui a dit, je vais vous dire ça, c'est pas que Maqueta n'a pas parlé, l'autre là, les audios là, et les photos de Maqueta là, les vidéos de Maqueta là. C'est pas, voilà, c'est pas seulement avec Bingui Maqueta a parlé. Hein. Maqueta a parlé avec, Maqueta a une copine qui est députée de Burkina. Donc c'est ces députés là qui étaient là, c'est-à-dire que c'est avec ces députés là Maqueta a parlé. A dit que non, oui, elle était malade comme ceci. Voilà, elle a parlé avec ce député-là. Et les vidéos aussi dont elle prouvait qu'elle était agressée, c'est ces vidéos-là aussi qu'elle a envoyées au même député. Et c'est le député qui a contacté Momo. Moi-même, j'ai montré. Où sont les preuves, Booba? C'est tout comme preuves, demande, non, on va vous montrer les preuves. Éclair, coupe ton micro, s'il te plaît. Voilà, moi, j'ai fait ma vidéo. J'ai montré toutes les preuves avec la avec dans les lèvres, là. Tu peux me montrer les preuves, là, tout de suite, là? Tu peux montrer? Il n'y a pas de souci. Les preuves, là, je vais appeler. Attends, je vais appeler Momo. Je vais prendre mon deuxième numéro. J'appelle Momo. Voilà. Momo sera là parce que. Momo pour c'est-à-dire Momo m'a envoyé il m'a montré des preuves. On était moi, c'est moi qui étais en live. Momo était monté ces jours-là. On a montré des preuves devant plus de 3000 et quelques personnes. OK, montrer les preuves. Moi c'est les preuves qui m'intéressent là. Si tout de suite là, on est là tous, tout le monde est là. Écoutez, Maqueta est là. Ouais, il y a pas de problème. Momo, on va montrer les preuves. Mais Maqueta même est là. Les gars, j'ai demandé à Maqueta toi même qui a de L'histoire de Maqueta, ça a commencé quand les deux griottes sont partis aux États-Unis. Hey, non, mais...
Écoutez, moi, toi, t'en pas. Aya, tu as laissé tout de suite. Elle va pas vous couper. Ils sont partis chez Makita, ils ont chanté chez Makita. Makita, elle a donné l'or à quelqu'un, à l'autre, et promis une voiture à l'autre. Quand elle a donné l'or à Mariamba, c'est Awa Touré, elle est sortie, bon, comme on est dans les clashs, donc elle a saboté l'or, elle a dit non, elle t'a rien donné, elle a donné juste son or qu'elle a déjà porté. Du coup, même nous-mêmes, on a dit à Awa. Pourquoi j'ai fait vite là pour que résumer tout. Parle, ma chérie, on t'écoute, vas-y, parle. Du coup, quand Awa a fait ça, nous-mêmes, on a dit Awa, t'as pas raison. Qu'elle donne leur nouveau haut, elle donne leur ancien haut, c'est pas notre problème. Vie est ignorée. Ça, elle a dit tout ce qu'elle est en train de dire. À ce moment-là, elle n'a pas attaqué Biguiné. C'est là, moi, j'ai sorti une deuxième fois. À ce moment, personne n'est sorti. C'est moi, j'ai sorti une deuxième fois. J'ai dit, Makita, j'ai pas dit de non, je t'ai pas incité. J'ai dit le fait. Et puis, j'ai mes preuves. Si c'est à cause de ça, tu veux me porter plainte. J'ai dit, je t'attends en France. Tu dis que tu veux me porter plainte ici. J'ai la nationalité française. Tu peux rien faire contre moi. J'ai même parti chercher mes nationalités, ma carte de ces nationalités. J'ai montré mon passeport, tout là. Quand Makita elle a vu ça, elle était fâchée encore. Makita elle a allumé encore une deuxième fois live. C'est là elle a dit, Jenny, tu dis que tu as le passeport français, moi aussi j'ai le passeport américain. Du coup, c'est ton artiste là, je vais enfermer en Amérique. Deux minutes seulement, elle a appelé Biguiné. Quand elle a appelé Biguiné, elle a dit, Biguiné, je suis en live. Mais Biguiné n'a pas compris ça parce qu'en même temps, Biguiné parlait aussi. Biguiné dit, hé, grand sœur, tu es fâchée. Hein? Elle a dit oui, parce qu'il y a Djéné qui est en train de m'inciter, que je t'ai pas reçu chez moi. Biguiné, elle a dit, je n'ai jamais dit ça à personne. Depuis le jour où on a parlé là, moi, je n'ai pas parlé avec personne de ton nom. Pourquoi personne va parler de ça comme ça? Du coup, ils ont commencé à parler. Bon, après, quand elle a fini, les gens, ils étaient choqués, parce que pourquoi? Tu peux appeler quelqu'un dans l'œuvre, ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas mettre au parleur. Tout le monde a attendu Biguiné ces jours-là. Si elle avait dit quelque chose là de mal ou des trucs comme ça, ça allait détruire aussi sa vie, ça allait détruire son carrière. C'est là que les gens n'ont pas apprécié. C'est là les gens ont commencé à sortir contre Makita. C'est là les gens sont commencé. Il ne veut pas prendre Chico, il veut s'arrêter là. Tu vois? Mais avant que Makita. Et menace Biguiné. Personne ne l'est sorti. C'était entre moi et Makita. Si Makita elle dit qu'elle était. Aya Chico est là, faut le faire monter. Il ne veut pas le faire monter. Tu m'as névé. C'est après, c'est pas avant. C'est après. Makita, elle était incitée. Le premier live que j'ai fait là, Makita, elle a allumé son live. Elle m'a menacé. Quand elle m'a menacé, moi aussi, je refais l'autre live. Une deuxième fois. Makita aussi, elle a allumé une deuxième fois. À ce moment-là, il n'y a aucune blogueur lever ou nanani nanana. Personne n'a mêlé dedans. Personne. C'est quand elle a appelé Biguiné pour mettre au parler, c'est là que les Ategringiri sont rentrés dans la guerre. C'est là que les gens ont commencé à dire pourquoi tu as sorti, pourquoi tu as appelé Biguiné, pourquoi tu as mis dans l'œuvre. Patati patata, les gens qui incitent, ils ont commencé à inciter. C'est tout. C'est à partir.